et je ne veux pas être romain. Je ne peux pas plaider innocent. Parce que si je plaide innocent, ben je serai en train de mentir. Je serai encore plus condamné. Mais je peux plaider le sang. Je peux plaider le sang. Je ne peux pas plaider coupable. Mais je ne peux pas, je ne peux pas plaider innocent non plus. Mais je peux plaider le sang. Et tu peux plaider le sang. Alléluia, alléluia. Nos anciens disent, je plaide le sang. Lorsque l'archange Michael était en train de se battre, de lutter avec le diable pour le corps de Moïse, il n'a pas, il a dit, Satan, je te réprime. Le sang de Jésus est contre toi. Alléluia. Le livre d'Apocalypse nous dit également, dans le livre d'Apocalypse 12, 11, le livre d'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a de ces batailles que nous allons vaincre parce que nous allons plaider le sang de Jésus. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Il faut plaider le sang. Quand tu es tourmenté, alléluia, dans tes nuits, plaide le sang de Jésus. Quand l'esprit d'oppression vient, plaide le sang de Jésus. Quand l'esprit de condamnation arrive, mais invoque le sang, plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Et selon Hébreux 9, 22, tous les péchés sont remis ou pardonnés par le sang. N'est-ce pas? Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et il dit, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. C'est-à-dire, tous les péchés sont pardonnés par le sang. Amen. Mais tout n'est pas purifié par le sang. Amen. Jusque-là, on est correct? On est d'accord? Ma compréhension du français est correcte? Alléluia. Presque tout d'après la loi, presque tout d'après la loi, mais pas tout, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc, ce qui veut dire que pour tout pardon de péché, il faut qu'il y ait du sang. Pour que mes péchés soient pardonnés, il faut que le sang, alléluia, soit appliqué. Mais pas toute chose est purifiée par le sang. Sous la loi de Moïse, il y avait certaines choses qui étaient purifiées ou pardonnées ou remises par une substance autre que le sang. De la même manière, il y a certaines choses, alléluia, que le sang ne fera pas dans nos vies. Amen. Alléluia. Non pas parce que le sang ne peut pas le faire. Alléluia. Mais parce qu'il n'a pas été conçu par Dieu pour faire cette chose. Amen. Certaines choses relèvent de notre responsabilité.